Et voilà, on est de retour sur Rimworld pour la suite de nos aventures. On va continuer cette taverne qui prend forme petit à petit. On a fait des chambres déjà pour nos futurs personnages, enfin, en tout cas un. L'autre, on attend toujours qu'il nous rejoigne. La grosse araignée qui traînait là a été détruite après nous avoir tué l'enfant. L'enfant a été enterré là. Là, on s'est occupé de commencer à construire les chambres pour les hôtes. Et puis voilà. On va continuer ça tranquillement. Il faudrait terminer ces murs quand même. On a fait le comptoir. Et on a fait également la zone pour les clients. Voilà, c'est très bien. Si vous voulez me mettre un mur maintenant, ce serait encore mieux. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis pas sûr. Hein. Je ne sais pas. Tiens, ce lit. Ce lit, on va le déplacer là. Il va nous falloir pas mal de... Alors du métal on en a... Oh si, on a tout ce qu'il faut. Feralis qui a pris en chasse Arionax. Ah mais il y en avait une autre. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Venez là. Réfugiez-vous. Et vous laissez pas faire là, s'il vous plaît. Attendez, Arionax il est où? Arionax il est là. Ok, bon. Elle nous attaque. Ok, non, vous m'achevez ça, s'il vous plaît. On veut pas que ça traîne. Bon. C'est fait. J'ai envie de dire ouf. Hop, c'est reparti, on s'occupe des champs en même temps. Il faudrait qu'on fasse une... Ici, on va peut-être faire un commerce, en fait. Peut-être qu'on va faire une... Ah, attendez, parce qu'il y a la route, là. Je sais pas trop comment on va faire ça. Ou alors par ici. Pourquoi pas. Alors, le commerce pour nous, ça va être de la bouffe en vrai. Alors, un groupe de diablotins. Il se prépare un certain temps avant d'attaquer. Il est seul, il vient avec un arc. Est-ce qu'on n'irait pas lui défoncer sa tronche tout de suite? Vous y allez, hein. Et Michel, là... C'est vrai qu'il y a une armure en os, on pourrait fabriquer ça nous aussi. Ah ouais, non, ils sont en train de tirer sur Pete. Très bien. Bah écoute. Attends. Lui, tu vas nous le dessaper déjà. Ok. Tout ça, on prend. Ça, on prend aussi.
Et puis là, bah, vous faites votre vie. Hein. Toi, tu peux pas te soigner là. Non. Tiens, vas-y, récupère tout, s'il te plaît. Tu peux pas récupérer ça aussi? Et ça. Ok. Alors, il y en a qui sont en train de se soigner, oui. Et Pete, il fait quoi? Pete, il en galère. Hein. Il va aller se coucher. On va lui envoyer Arionax sitôt que ce sera bon. Pas de danger immédiat. C'est bon, c'est fait. Impossible de draguer Pete, mais c'est pas ce qu'on te demande. Pete, il est en galère. Dans 15 heures, il est mort. Vas-y, couche-toi là, qu'on en finisse. Ok, prioriser soigne en urgence. Arionax à la rescousse. Bon, ça va, il va le sauver, pas d'inquiétude. Jusque là. On va peut-être se mettre une lampe là-bas aussi. Cherche toujours en cours, c'est pour les batteries. Ensuite, on va chercher ce qu'il nous faut pour avoir la centrale géothermique. Alors, ça va demander peut-être plusieurs recherches. Mais après, on sera tranquille avec ça. On va récupérer le miel aussi. Sol à récupérer. On va faire c'est l'enterrer. Hein. Éviter que ça traîne. Ah, il y en a que c'est totalement guéri, très bien. D'insectes OGM à pourrine, c'est pas grave. Tu veux pas aller enfouir enfouir José là? Ouais si c'est bon. Il y va tout seul. Bon là c'est pas mal mais il nous manque du bois. On va peut-être leur redemander d'en découper.
Peut-être que cette table, on peut la mettre dehors maintenant. On va pas la mettre là. On va la mettre là. Alors, il y a un raid. Un raid n'a rien à voir avec un raid Twitch. C'est le clan Néant, d'accord. Les pirates. Oh, ça va piquer ça. Ça va piquer, il va falloir l'attaquer bien vite. On peut l'attaquer par là déjà, peut-être. Oula, 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 oula. Attendez. Attendez les gars. Attendez les gars. Attaquez ça. Tu peux te mettre à l'abri quelque part. Ouh. Au secours. Ok, il a réussi à le toucher. Ou pas mal. Les autres arrivent au corps à corps. Bien vu. Bien vu. Alors ça va nous faire un Uzi. Vas-y, déshabille ça. Toi tu peux y aller, tu peux y aller. Et toi, tu peux aller ramasser tout ça. Ça, tu nous le récupères aussi, s'il te plaît. Laissez pas traîner. Vas-y. Récupère tout, s'il te plaît. Reste un pantalon qui traîne. Arionax, il en est où? Tu veux pas te soigner là? Ah, c'est que l'autre était en train de le faire. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, toi, on va te changer ton arme. Parce que l'arc c'est sympa, mais en vrai, on a fini les recherches de tapis. Ce qu'on veut maintenant, c'est énergie géothermique. On recherche ça. Ah bah on y est déjà, ok, tant mieux. Bon, qui possède le Uzi là? Toi. Tu veux pas équiper ça peut-être? T'es où? T'es là. Ok. Non. Faudrait que tu l'équipes. Transport, pistolet, mitrailleur. Vas-y. Pourquoi tu peux pas équiper? Ah, il est biocodé. D'accord. C'est pas grave. Ça se revendra. Attends, parce que le fut il est pas biocodé lui. Alors on a fini quelques murs, c'est une bonne nouvelle. Il va nous falloir plus de bois. On a du bois de fer hein, ceci dit. Mobilier. Hop. Ah oui non, alors on voulait ça. On voulait ce lit en bois de fer. Voilà. Un lit en bois de fer. Ok. Et derrière, on va faire des lits simples en bois de fer. Ensuite, il va nous falloir ça. Ok, ça on va virer. Ici,
faire un truc en bois normal. Et puis derrière, des fleurs, hein. Mais bon, on verra après. Ça, on pourrait le virer aussi. Là, il nous manque un bout de bois. Ok. Pardon, il y a un visiteur qui a plus de... Attends. Attends, Michel. Ouais, parce que du coup, il nous informe plus quand il y en a. Ils font ça tout seuls comme des grands. Ce serait pas mal qu'on se mette une palette aussi. Hein. On verra quand ils auront fini ça. Voilà, regarde Michel, on t'a fait une chambre là. Comment tu vas être bien là-dedans? On peut le mettre à 120 balles le truc. Ouais, bon, en même temps, c'est les grandes chambres. Hein. 100 balles la chambre, allez, bim. Michel, il va dormir de l'autre côté, quoi. On pourrait même mettre ça plus cher. Hein. Attendez qu'il y ait des tapis. 200 balles la chambre à cause des tapis. Du coup, il va dormir dehors avec son sac à dos. Hein. Machin. Ah, c'est la mère de Clark. Incroyable. Social. Social invité. Encore un ami pour pouvoir être recruté éventuellement. Ça construit bien, mais le bois de fer va partir tellement vite. Vas-y, virer tout ça. Peut-être mettre un cuistot. Ah mais tu fais chercheur toi. Bon c'est toi qui vas faire cuisinier en 1. Ok. Allez Pete. Ce serait pas mal que tu intègres la colonie à un moment. Ok, on va remettre un lit à 100 balles. Tiens, on pourrait même aller plus loin. Hein. Le petit 150, il est... Ouais, 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 tiens. 150 balles la chambre.
passer par là plutôt qu'en plein milieu de la chambre, ce serait pas mal. C'est vrai qu'on a les batteries maintenant. Attendez. Petite batterie là. On va peut-être les mettre dans l'autre sens d'ailleurs. On va en mettre deux. Non. Il se clique. Et là pareil, on va passer de ce côté-là. Ah mais t'as pris le lit à 150 balles. D'accord. Les invités, alors, garantir leur sécurité, oui. Les visiteurs, ils sont combien? Ils sont 1. T'as 150 balles sur toi? T'as 16 balles. Attendez, on va faire les lits ici. Tiens, 10 balles. Tous les lits à 10 balles. Et ouais, bah ouais. Du coup, là, tu les lâches les 10 balles. Hein. Avec ton pémican tout pourri. C'est du luxe. Hein. Un de vos animaux est tombé malade de la peste diantre. Est-ce que Arionax, par exemple, il est où? Est-ce que tu pourrais soigner Atticus? Je sais pas si on va réussir à le sauver. Pour l'instant, ça a l'air bien. Prochain traitement dans un jour. Ça va, on a le temps de voir venir. Un cadeau de la part des... Oh, 130 balles. Pas mal. Genre, elle avait pas assez pour payer le lit. Mais elle nous lâche quand même 130 balles en partant, quoi. Là, tout est construit, on n'a pas assez d'électricité. D'ailleurs, ouais. Ça, on va démolir. démolir. Et démolir. Même chose ici. Bon, c'est mieux avec de la lumière quand même. D'ailleurs, en parlant de ça. On va inonder le couloir de lumière. Et peut-être qu'ici, on va faire une salle de jeu ou je ne sais pas, autre chose. On sait rien. Je pense qu'il va falloir mettre un frigo en fait à dispo des clients et dire que ça c'est ce sera une zone de commerce et que du coup ils pourront venir acheter dans le frigo la bouffe. Je pense que c'est ce qu'on va essayer. Alors un fournisseur militaire, très bien. Oula. Arionax. Je sais même pas qui en vrai est le plus susceptible en hôte. Bah non, en hôte c'est Arionax. Oui, ça va. On va aller commercer avec eux.
Alors, un couteau en métal médiocre à vendre. Le pistolet mitrailleur, on le vend. Puisque de toute façon, il est biocodé. Pantalon à green shell médiocre, on va le garder. Quoique non, si. On garde. Je vois pas trop ce qu'on aurait à leur acheter en vrai. On va se faire un bal. Très bien. Écoutez, c'est toujours ça. On a des blocs de granit. Moquette, ça y est. Moquette, bah écoute, petite moquette rouge. Faire des petits tapis là. Chambre, on va pouvoir mettre de la moquette de toutes les couleurs. Tiens, c'est parti. Il nous manquera encore du bois de fer, donc on va devoir attendre qu'ils aient coupé du bois. Peut-être que ces trucs-là, on va pouvoir les récupérer un moment. Allez, on réaccélère. Ah oui, toi t'es Pemmican. Pemmican, il en est où? Zéro ami, mais il est très heureux dans la colonie. Peut-être pouvoir finir ce sol à un moment en utilisant pourquoi pas le granit. 4 blocs de grès, 4 blocs de granit. Terminé. Ah, ça pourrait valoir cher hein, quand même. Bon, on a 15 plats d'avance. Ici, on va pouvoir récolter pas mal. Cadeau. 6 or, merci. Ça
Salut à toi, Éphémère, bienvenue sur le live. Caravane arrive, c'est un herder. Cool. Peut-être pouvoir dépenser notre argent. Et retenter l'opération cochon. Ah, mais ils sont déjà là. Vous êtes trop rapides, les gars. Ah ouais, l'opération dinosaure, ça va pas être la même. En revanche, il y a des vaches. S'il nous les vend pas 1200 balles. Combien? 500 et 500. Ah. C'est dommage. Hein. Bon, de toute façon, c'est deux mâles. Ah non, il y a la femelle ici. Écoutez, on va peut-être la prendre elle quand même. Il nous manque un. Il nous manque un. Bah tiens, le cœur de lézard. Hein. L'insecte, machin. Cuir d'oiseau. Ça dégage. Les armes médicinales, on en a que 5. Ok. Ouais, parce que du coup, elle va quand même faire du lait. Donc, attends, tu veux pas nous l'amener dans l'enclos quand même? Vous savez ce qui va manquer, évidemment, c'est un billard. Que serait un bar sans un billard? Réponse, un restaurant. Ok. Hop, 10 balles et on a fini quasiment, il nous manque un lit. La zone des touristes. Bon, je sais pas qui va s'occuper de faire les trucs là parce que on a le tissu. On a plein du tissu. Mais sinon, vous avez le droit d'entrer quand même. Restez pas sous la pluie comme des abrutis. En plus, vous avez le préau ici, là. Bon, ça vous regarde, hein, mais avec les vaches laineuses, là. J'imagine pas l'odeur. Bon, on s'est toujours pas occupé de la brasserie, en revanche. Quelqu'un qui ramasse là, on a forestier. Toi, tu vas faire transporteur. Chercheur. Toi, tu fais cuisinier. Toi, t'es nettoyeur et fermier. Ok. Toi, t'es forestier. Forestier et hôte. S'il te plaît. Alors, la caravane marchande quitte la colonie, ok. C'est-à-dire, il nous laisse un cadeau, 75 balles. Vous auriez pu laisser une vache, ça aurait été cool. Ah mais non, c'est pas... Attendez. C'est Michel Pemican, là, avec ses 15 balles, qui nous laisse 75 balles. Incroyable. Il n'y a aucune logique à ce jeu, mais bon, tant mieux. Est-ce qu'on a du bois qui traîne? Pas encore.
On a 54, 27. Je pense qu'on va se faire une palette. On a le stockage plus, les palettes. Si on peut prendre cette palette là, on n'a pas besoin de l'autre de toute façon. Petite palette. Ah, mais il n'y a pas les grandes palettes. Bon, c'est pas grave. On va commencer par une palette comme ça. Il a bouffé du riz cru, lui, au lieu d'aller... Ah non, il l'a déposé, pardon. Je me disais, c'était bizarre quand même d'être à côté de la bouffe prête et de préférer manger du riz cru. Je crois qu'on a un déficit de constructeurs. Constructeurs, non, ils sont tous à deux, donc... un jour... Des réfugiés. Ils vous remercient. Ah oui, d'accord. Ils se barrent. Mais il y en a un qui est resté quand même. Alors, Verte a appris que l'un des membres de la fédération Ourla n'est plus un machin. Un stagiairlande, pardon. Verte voulait voir tous les membres de la fédération morts et donc annuler son offre. C'est pas grave. Vous avez achevé avec succès la quête des errants perdus. Ça va, en même temps, à peine un jour après être arrivé, on en a recruté 2 sur 3. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui est mort ensuite. Donc... Bon, et cette recherche là, toujours pas. Nico, on pourrait peut-être tenter un moment de recruter, mais bon, ça va nous coûter de la bouffe. Il y a 10% de chance de nous attaquer. On verra. Ah mais d'ailleurs, éphémère, attends, bouge pas, excuse-moi. Je manque à tous mes devoirs. Bienvenue dans l'équipe. Parachutage de sac à déchets. Non merci, barrez-vous. Ça va, on est bien, il n'y a pas de pollution chez nous. Ah, ça y est. Ah non, c'est la commode. Je croyais que c'était les moquettes, mais pas encore. Plats, donc il va falloir qu'on se fasse ce réfrigérateur. On le fait dehors? Non, on le fait dedans quand même. Et on va faire une zone de commerce là. On va voir comment ça se passe, hein. Je sais pas. Première fois que je vais utiliser les zones de commerce. Oh, hello Metal Skin and thank you for well played for the level up. So actually we can give you a character as well. Une belle aurore illumine le ciel. Attendez, on va filer Metal Skin ici. Oups. Bon, il restera Nose à donner. J'aimerais bien qu'ils finissent l'allée là.
Ah, ça, c'est le bol pour le chien. Et on n'a plus de métal du tout. On n'a plus de métal. Alors ça va être un problème. Il va falloir qu'on en trouve. Je crois qu'il y en avait peut-être par là-bas. Attendez, c'est quoi ça? Ah, des murs en métal, alors attendez. On va tout démonter. Tout ça, on démonte. Le sol, on démonte. Là, on a une quête, bénédiction royale. Vous avez appris un moyen d'échapper... oui, d'accord. C'est vrai que ça, à un moment, il faudrait le récupérer quand même, les gars. Voilà, ici on va mettre des plats juste. Comme ça, ce sera plein. On est à 8 piles sur 8. Et ici on va donc mettre la zone commerciale. Alors, inviter, gérer les zones. Donc, zone commerciale. Ok, paramètres, hop, pour le shopping, c'est donc zone commerciale, refuser d'inviter les clients peuvent prendre de la nourriture gratuitement, non, et donc ensuite la zone commerciale, on va l'installer, je sais pas si ce sera... de faire une zone comme ça. Ok, il y a un plat à acheter a priori. On verra s'il l'achète ou s'il faut faire une zone de stockage normal. Et normalement ça doit fonctionner puisqu'on a les étagères et tout exprès. Genre ce genre de truc. On verra bien. Ils ont bien éclaté les arbres ici. Petite pêche. Okay. On récupère des patates. On a combien là? On a deux plats. Capsule de sauvetage. Qui es-tu? On s'entendra pas bien avec. Attendez, nos relations. On est à moins 10 avec celui-là. Avec sa faction, je sais pas. Titre chef machin, faction, pacte de G-Books machin. Où est-ce qu'on voit ça, les factions? C'est là. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est là. Alors, pacte machin. Ils sont
On sait pas. On sait pas, mais visiblement c'est un... C'est un comme ça, a priori. Et comme ça, on est hostile déjà. Donc on s'en fout. On peut tout à fait venir là et le dessaper. Je sais pas ce qu'il a sur lui d'ailleurs. Des vêtements, ce sera déjà pas mal pour nous. Ok. Tiens, tu veux pas transporter tout ça par exemple? Un vagabond a rejoint la colonie. Incroyable. Les gens arrivent, ok. Tiens, bah, vagabond, tu vas venir récupérer ça. Alors, la planque de richesse, ça on verra. Enfin, on verra pas du coup. Donc, travail. Hop. Est-ce que tu es cuisinier à tout hasard? Pas du tout. Tu es forgeron, couturier, artisan. Ah, du coup, tu vas être fermier. Voilà. Fermier constructeur. Bon, là, on a une pile de 8, bientôt 10. Maintenant, il nous manque plus que des invités. Tout le monde est en train de pioncer. T'es équipé de quoi, toi? Attends, déjà, hop, hop, hop. T'as un couteau. Un couteau, un pantalon de secours. Est-ce qu'on a du bois encore? Non. On est en train de se faire les petits tapis devant les chambres. Caravane marchande arrive, c'est un fournisseur militaire. Ça va pas nous aider beaucoup. Tiens, d'ailleurs, tu voudrais pas faire mineur par erreur. Oh, c'est toi le Metal Skin, il va faire ça aussi. Chercheur et mineur. Bon, là, il fait surtout chercheur. Ça avance. 1300 sur 3002. Ok. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose? Vendre quelque chose. La réponse est non. Et ouais, puis 200 balles les parkas, faut pas déconner. Ah ça y est, ils ont commencé ça. Metal Skim est victime d'une intoxication alimentaire.
À un moment, on mettra quelque chose ici. Je voudrais du grès ou... Ah oui, d'ailleurs, on pourrait faire ça, peut-être. Production. Le tailleur de pierre. Il nous faut de l'acier, du bois. C'est pas grave, on va le mettre quand même. Comme ça, on va se faire des briques de grès. Et on pourra faire des jolis sols. Voir pourquoi pas changer les murs à un moment. Un percepteur, ouais, arrive. Des chevaux. J'aimerais bien qu'ils nous rapatrient quand même les trucs. Hein. Je sais pas qui est transporteur, on en a plus. Cuisinier, on va pas te déranger. Nettoyeur fermier. C'est toi qui vas être transporteur et fermier. Elle est partie dormir. Est-ce que le chien... Ah oui, d'accord. Alors attendez. Le chien, tu peux aller là si tu veux. Ça fait une niche énorme. Oula. Quête échouée à la rescousse de paille. Non mais on voulait pas aller te sauver. Ça, y a pas quelqu'un qui voudrait récupérer l'or ici. Quête dispo, les survivants désespérés. Ils arrivent, ok, combien? On sait pas, on va accepter. 1, 2, 3, 4, 5. Incroyable. 5, tiens. Ok. Eux, on va les faire bosser. Hein. Ils peuvent faire du transport. Oups. Bon, après il nous faudra de la bouffe quand même. Caravane de l'Imperium s'en va. Ok. On va en profiter pour démonter des trucs probablement. Ou aller récolter des trucs aussi. Toi t'es un cadavre. Toi on va pouvoir te démonter. Les champis, ensuite les pommes, les herbes médicinales, les pêches. On fait notre marché intégral. Nouvelle recrue, cool. Nico nous rejoint. Attends, Nico, on va te donner du travail. Bim.
Nico, ce serait bien que tu fasses... Oui, pourquoi pas nettoyeur, mais... Avant toute chose, constructeur, tiens. Enfin, surtout pour déconstruire. Oh non, attendez. Travail, Nico. Nico, forestier, il est mieux. Ouais, il y a tellement de bazar ici. Un grand tour de carte pour récupérer pas mal de choses qui traînent. Allez, c'est parti. On peut les laisser faire. Nico, il s'y connaît avec les plantes, tant mieux. Je vais pouvoir leur demander de couper du bois aussi. Et on est juste en train de faire des stocks un peu parce que... On n'avait plus grand chose... Ah, le raid. Le raid, il est seul avec un arc. Bah ok. Hein. Vas-y, on t'attend. On va le chercher peut-être. Allez-y. Lui, il a de la bière sur lui. Voilà. Ça, c'est fait. Tiens, Flynn... Non, Flynn, tu peux faire ta vie. Tu peux pas faire ça toi. Toi t'es blessé. Tiens, toi tu vas nous faire ça. On va les mettre en attaque tous. On peut pas se soigner. Bon, écoutez, là-dessus, je pense qu'on va se faire un petit cut de vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Ça se passe plutôt pas mal pour le moment. On a même commencé à construire notre allée. C'était pas du tout l'allée que je pensais d'ailleurs, c'est pas grave. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour ceux qui sont en live pour la suite.